tout le monde. Salam, salam, salam. C'est le mois de Ramadan. Je pense qu'on est des 11h10 en temps. Des 11h en temps. Salam alaikum. Today we go. I'm going to show you one recipe. Très bon. J'ai déjà fait, mais juste pour m'accompagner pour la recette là. Juste pour m'accompagner pour faire la recette là. Pour le Ramadan des 10 ou des 11, je vais vous montrer ce que je dois préparer. Je pense qu'on est le 10e jour ou 11e jour. Donc, vous allez m'accompagner juste pour faire la recette là. Je ne vais pas vous dire, ça va être une surprise pour vous. Donc, si tu es sur la chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, partager, aimer et like it. Ok? Et on a ma chaîne for the first time. Donc, il faut que tu subscribes, like it. For me and thumbs up for me. Faut mettre les thumbs up for me, la pouce bleue à l'heure pour moi. Et merci à tous mes abonnés. Je voulais faire un madame spécial, mais mes abonnés, vous m'encouragez pas, donc j'ai dit non, c'est pas la peine. Vous regardez pas tellement les vidéos, donc j'ai dit, parce que la madame c'est pas facile du tout, c'est pas facile, donc faire les vidéos et vous regardez pas, c'est pas la peine quoi. Donc cela, j'ai pas fait Ramadan spécial, bien je pouvais faire tous les jours ce que je peux, et je suis très occupée aussi avec le boulot, la famille. Donc j'ai fait une vidéo pour tous les jours, donc j'ai décidé non, cette fois-ci je vais pas faire. Mes abonnés ne m'aiment pas comme ça. Mes abonnés ne m'aiment pas comme ça, ils regardent pas tellement mes vidéos, mais ce que je fais parce que j'aime. Donc c'est pour cela que je suis là toujours, la cuisine c'est ma passion. I love cooking, so that's why I'm here, because I know my subscribers, you don't give me courage. I wanted to do Ramadan special for you guys, but you're not supporting me. So I said, no, I'm not going to waste my time. Make video, edit everything, and you don't watch my video like before. So, you know what? I said, no, and I'm so busy, work, family. So I decided this year I'm not going to do Ramadan special. So, but today, I just decided to show you what I'm cooking for today for my, how do you call, to break my fast, okay? Ce que je dois préparer aujourd'hui pour la rupture, donc vous allez m'accompagner à faire ça aujourd'hui, ok? J'espère que tout le monde va bien. Si c'est la première fois que tu vois mon visage là, mon vilain visage là, faut t'abonner. Faut ne pas manquer aucune de mes vidéos si tu as aimé ce que tu as vu, alright? Let's go. I got a lot to do. A lot to do. J'ai trop de choses à faire. Donc, no time to waste. Comme je disais, ça c'est la viande du bœuf, la viande du mouton. Je vais mélanger les deux. Et on va faire la sauce crème, prime sauce. That's beef and mutton. I'm going to mix those two. Et on va faire grillade, comment dire, grillade. Patates douces et aloco, c'est les deux ingrédients, les mêmes ingrédients. Ça, c'est les ingrédients qu'on doit utiliser. Le reste, là, je vais vous montrer while I'm doing the video. Ok, je vais vous montrer quand je fais la vidéo. Donc, je vous ai montré seulement les ingrédients qu'on doit utiliser aujourd'hui, la recette qu'on doit faire. Donc, grillade avec sweet potato et banane aloco. So good! C'est très délicieux. Honnêtement, c'est très délicieux. Et ça, c'est palm sauce, sauce crème. On va faire ça aussi. Donc, let's go and start. Voilà, je vais laver ma viande, tout et tout. I'm going to wash my meat first before we start cooking. Make sure you wash your meat properly before you cook. Ok, faut être sûr que ta viande c'est bien lavée. Moi je n'utilise pas du sel ou du vinaigre sur ma viande. Ok, mais si tu veux faire, tu peux faire. I don't use salt or vinegar on my meat, just simple water. It's not like chicken, c'est pas comme le poulet. Ça c'est très facile à faire. Voilà, j'ai fini et je vais désinfecter. I'm gonna clean my sink now. Là, je vais enlever un peu de graisse là, surtout la viande du bœuf. Il y a tellement de graisse, donc j'enlève un peu quoi, pas trop.
tellement de graisse, donc j'enlève un peu quoi. Like you can see, I'm taking some fat on it. Beef one, there's a fat on it. So I'm gonna take some on my beef one, okay? Look at the flat dresser. Look at the fat. It's too much. C'est trop ça. Donc, je vais jeter ça. Donc, on va passer à la cuisson maintenant que. Là, j'ai mis mes marmites. Ça, c'est pour la grillade. Un tout peu d'huile. J'ai mis l'huile ici. Ça, c'est pour. Donc, tu ne remets pas l'huile. Sorry. Je dois mettre juste la viande là-bas. Ok. Donc, pour la grillade, comme il y a l'huile sur la viande, donc je ne vais pas mettre trop d'huile là-bas. Je vais mettre un tout peu. C'est bon. Pour bâtir. Ça c'est bon, la grillade, ça aussi c'est bon, la grillade là c'est prêt. Ça c'est du poivre, ça, du cube magie, et ça c'est de l'ail, l'ail, persil, un peu de gingembre. La recette est déjà sur ma chaîne, je fais ça pour me faciliter, la madame là. Donc je vais mettre ça. C'est déjà sur ma chaîne. Et de la moutarde. English one, mais tu peux utiliser Dijon one si tu veux. Un peu de sel. Bay leaf, je vais mettre ça aussi. Laisse griller comme ça d'abord. Je ne vais pas mettre de l'eau ni rien. Et je ne vais pas couvrir d'abord. Donc je laisse comme ça. Et l'autre aussi est en train de cuire là-bas. Je ne vais pas mettre de l'eau aussi. L'odeur, c'est trop bon. It smell the aroma in my chicken. Oh my goodness, it's killing it. Revoilà, Claudie.
remettre des lobes. Et parce que je veux que ma viande cuise très bien là. Donc je vais chauffer de l'eau pour ça aussi. Ok, I'm gonna boil water again. Là, bien cuit. Donc je vais mettre de l'eau maintenant. Parce que je sais que comme ça très bien. Je veux que la viande soit tendre. Donc je mets beaucoup d'eau. Donc, comme maintenant, je ferme maintenant. Je laisse cuire comme ça pendant au moins 20 minutes, 20 à 25 minutes. Je vais écraser mes ciboulettes, les oignons, tomates pour, comment dirais-je, pour la sauce graine. Ok? Et voilà, je continue ça jusqu'à ce que je vais finir. Ça, c'est du piment. Si tu veux mettre plus de piment, tu mets, je mets tomate fraîche. I'm going to slice my tomato here, my green onion, my chili, and I'm going to chop them. I'm using at least two onions. Yeah, two white onions. J'utilise deux oignons ici. Et je vais écraser tout et tout et blender. Ça, c'est fresh tin tomato. Ça, c'est la tomate en boîte. Je vais mettre un tout peu d'eau. Et voilà. Et je ferme. My mini chop. Et j'écrase ça. J'ai utilisé juste un seul piment à cause de mes enfants. Ils adorent la sauce graine là tellement. Donc je vais utiliser seulement ça. Voilà, j'écrase ça très 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 bien. Et voilà, ça c'est fini. Je vais mettre ça à côté. Et après, ça c'est mes patates douces. That's my sweet potato. I already peel it off. I'm gonna slice it now like ragout. Je vais découper ça en façon ragout là. Et après, on va mettre du sel sur ça et griller, frit. Ok? We're gonna fry this one. Ok? We're gonna fry. But if you want, you can boil it. Ok? Si tu veux bouillir, tu peux bouillir aussi. Quoi. Ok? Mais moi, je vais frire. Je préfère ça. Ça, c'est les patates douces de l'Afrique. Mais j'ai acheté ici. Ok? I don't want Irish one on this recipe. Je veux pas les patates douces orange là de l'Europe. J'aime pas ça quoi dans la recette là. But if you want that one, you can use that. Mais si tu veux, tu peux utiliser ça aussi. Voilà, j'ai fini. Je mets ça à côté aussi. Là, j'ai lavé mes bananes dans le coude, donc on va les éplucher. C'est que tu laves tes bananes parce que tu dois toucher à l'intérieur. Make sure you wash your banana before you touch. Because you're gonna touch inside. So sometimes it's dirty. So make sure you wash it. Coupe un grand morceau comme c'est pour. On va les frire maintenant. We're going to fry our plantain and sweet potato. On va les griller les patates douces et aloco. J'ai mis l'huile pour chauffer et ça c'est du quinqueliba. On va faire bouillir de quinqueliba avec du riz du pays. Donc ça c'est du quinqueliba de l'Afrique. Ça, c'est mes oignons qui vont accompagner mon grillade suite partie de la loco. Donc, je vais les découper. Et deux ciboulettes. Voilà, je continue à éplucher ça tout et tout. Et après, je vais mettre ça à côté aussi. On va faire d'autres choses aussi. Les oignons, seulement les ciboulettes, comme vous pouvez voir. Just onion and green onion. Voilà, j'ai fini ça. On va mettre ça à côté. On va faire
la sauce crème, on va mettre ça dans l'eau chaude, ok? Donc je mélange avec de l'eau chaude, comme je vous ai dit au début, parce que des fois, un sauce crème là, il y a du sable dedans. Donc vous allez voir à la fin, je vais vous montrer, je vais garder la partie là, après vous allez, you will see, sometimes sand on it, so make sure you do. Donc j'utilise de l'eau chaude, comme je dis, il y a du sable en bas. Donc je vais mélanger ça très bien, je laisse se reposer comme ça. Donc tout le sable va aller au fond. So the voilà, je mets ça aussi à côté. Je vais le frire, mais pendant la loco et le reste de ça, un peu de ça, un peu de planté, je vais faire ma sautouille aussi. Last minute, comme ça, c'est sumbala bare. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. I don't know how you call this in English. In my country, we call it bare. Maybe if you see, you know it. So I decided to do that one too because I'm working. Tomorrow I'm working, so I have to leave food for my family before I leave to work. So I'm gonna make a little bit of that too. Et je mets de l'eau, je laisse ça parce qu'il n'y a même pas la place sur ma cuisine. Donc je vais attendre les deux autres, mon gars fini de cuire d'abord. Après je vais cuire ça aussi parce que c'est très facile. Just buy a sweet potato and this and bunga fish, crayfish oil. I'm gonna put water and leave this one like this. Je vais mettre de l'eau, je laisse ça à côté. Je vais pas mettre la banane maintenant. Et voilà, je vais voir ma viande pour la sauce crème là. C'est cuit là très bien, ma viande est très 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 bien cuite. Donc je vais mettre la sauce. Que j'ai écrasé mes condiments que j'avais écrasé, ma chop ingredient. I'm gonna add that one and mix it and leave it to cook for some time again before I add my palm oil, my palm sauce. Okay, I'm gonna leave this one to cook at least 10 to 15 minutes. Je vais laisser cuire ça comme ça pendant 10 à 15 minutes. Comme ça, je vais mettre ma sauce crème maintenant et je continue à cuire mes bananes. Tu vois, j'ai en train de frire banana. Et on va griller ça aussi. C'est banane est finie, donc on va griller maintenant les patates douces. I'm done with my banana to fry my banana. So it's time to fry my sweet potato now. Like I said, you can boil it if you want, okay? But me, I like it when it's fried. Moi, j'aime quand c'est frit. J'aime pas quand c'est bouilli, quoi. Donc, je vais continuer et je vais commencer à faire ma bouillie aussi de riz là, du quinquelba avec l'eau de quinquelba. Quinquelba, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, c'est bon. Ça contrôle du cholestérol, diabétique, hypertension. Et je rajoute de l'eau, je vais bouillir ça avec l'eau de quinquelba. C'est très bon, c'est très doux avec le riz du pays. Merci à maman. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de ça et mélanger. Let's go. Your girl was so busy this day. J'étais tellement occupée le jour-là. C'est le ramadan, non? Donc, je dois préparer pour ma famille. Voilà, je vais retirer mes frites de patates douces. I'm going to take my fried sweet potato. Just had salt. J'ai juste mis du sel et j'ai frit. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour ça. Je fais second batch. Je vais faire deuxième batch. I'm going to do second batch and go and check my meat as well for my grill and my meat for palm sauce, je veux dire. Now it's time to add my palm sauce, but be careful, don't add it all way. You see, vous avez vu du sable, you see sand, so that's why when you do, make sure you leave it to rest so all the sand will go down. Et ça c'est pour mes crayfish,
chili and onion for my patate douce. Et voilà. Oh my God. My meat cooked so well. So it's time for me to add my onion. If you hear the voice, please, the kids are home. It's half time. Si vous attendez les bruits, les enfants sont à la maison. Donc, je mets un peu de moutarde, English et ma saisonnement. Je vous ai dit, j'ai déjà fait ça. Ça, c'est du persil. Là, il y a un peu de gingembre. Je vais mettre du poivre aussi. Un peu de poivre blanc ou poivre noir. Et un tout peu de sel. Et je remis, je laisse mijoter là pour 10 minutes. 10 à 15 minutes avant de mettre le reste de mes ingrédients. I'm going to leave this one to cook at least for 10 to 15 minutes before I can add. So now it's time for me to cook that one. My potato potage. Masatouni. On appelle ça comme ça chez nous. We call it masatouni. Donc je vais mettre du sucre pour ma bouillie. Du riz là. Avec du quinquilba. Et je mélange. Je vais bien mélanger ça aussi. Et après, on va mettre du tamari. We're gonna have tombini. C'est ça qu'on appelle tamari. That's what we call tamari or tombini. In my country, we call tombini. Et je vais filtrer. Je vais mettre ça tombini avec quinquilba. Oh, bouillie de quinquilba. C'est très bon. C'est très, très, très délicieux. Honnêtement, c'est très, très délicieux. Voilà, je remis et je laisse mijoter. Puis ça au moins pendant 10 minutes et c'est bon. Donc je vais voir aussi ma sauce graine là qui cuit là très bien. Je vais mettre un peu de gombo. J'adore gombo dans ma sauce graine. I'm going to add a little bit of okra. I love okra on my banga soup. Avec la sauce graine. Le gombo dans la sauce graine, c'est très très bon. C'est très délicieux, honnêtement. C'est très bon. J'avais mis un peu de sel dans ma sauce graine. J'avais oublié un peu de cube magie aussi. Le reste de mes cubes magie. Et c'est bon maintenant. Et il y a quoi à faire? Donc maintenant, je peux mettre mes patates douces dans ma grillade. I can add my sweet potato on my meat now and mix it. You don't add your plantain now because plantain is so soft. So don't add it yet. Okay? You add it. Your planté last minute. Faut pas mettre à loco maintenant. Tu mets parce que la loco c'est très mou. Donc faut pas mettre maintenant. Donc je vais transférer, je vais swapper, I'm going to swap and cook. Ça c'est crayfish, les crevettes secs et de l'oignon et du piment seulement. That's crayfish, chili and onion, small onion. That's it. And I leave that to cook as well. I'm going to leave that one to cook. So ouais, je vais laisser cuire ça comme ça. Après, je vous reviens. C'était trop bien la recette là. La Madame Karim, comme je vous ai dit, vous m'encouragez pas de faire trop de vidéos. Un peu de cube magie et un tout peu de sel. I'm gonna add magie and salt. Vous m'encouragez pas pour faire la vidéo Ramadan spécial. Donc, c'est cela. Donc, j'ai dit non, non, non. Mais aujourd'hui, j'ai dit, vous allez m'accompagner. Et je vais mettre un peu de lime. Citron vert, mélange avec du tamaris. Wow, it's wow factor. Mais tu mets ça à la dernière minute. Et voilà, juste 2 minutes de cuisson. Je peux retirer ça maintenant. Et ça serait bon maintenant. J'ai fini de faire la bouillie. Ma grillade, c'est presque fini comme ça. Ma sauce, palm sauce, c'est presque fini. Regarde ça. Qui va pas aimer ça? Qui va maintenant, je peux mettre mes bananes. J'ai mis la cuisine off. Il n'y a pas du feu. Regarde ça. Oh, qui ne va pas aimer ça? Oui. Maintenant, ma sauce crème aussi, c'est presque fini comme ça. Ma sauce crème aussi, c'est presque fini comme ça. Tout est presque fini. Hein? Seulement, ma satouni qui reste là. Everything is done, only my sweet potato potage and is that one left now to do. Money is prêt, money.
My money aussi, that one too is nearly done. My sunarati is done. Vous m'avez accompagné de préparer mon sunarati. Ma cuisine pour la retour des thym ou des levains, je pense. Maintenant, je peux mettre du poisson. Ça, c'est du poisson frais. That's fresh fish. I'm having fresh fish on my potage. But you can have any fish you want. Mackerel fish. I think this is fresh fish. Voilà, je continue à cuire là. Très bien. It's so delicious. Now I can have my banana. And let this cook for some time. I'm going to leave this one to cook for some time. Okay. Je vais laisser un tout peu ça cuire là. Et ça, c'est l'huile de palme. Je vais enlever un peu d'huile de palme. Quand tu prépares ta sauce grain là, parce que l'huile va sortir tellement, il ne faut pas jeter. Vous voyez ce que je fais? Moi, des fois, je mets dans une bouteille, je garde. Par exemple, je peux utiliser ça pour la sauce. Ou bien, si je veux faire, par exemple, comment dire, la sauce grain, comment dire, la sauce bourrée, yeah, épinard. La sauce épinard, je peux utiliser. Je n'ai même pas utilisé l'huile. Seulement, maintenant, je peux mettre bonga fish. Ça, c'est bonga fish que je mets comme ça, en poudre. Et je laisse cuire ça comme ça. Après, ça serait prêt. Voilà le résultat là. Ma criade avec, comment dirais-je, sweet potato et aloco. Essayez la recette, c'est très bon. On est calmement aussi, c'est fini. On est calmement, on est calmement. Avec du kinkin, bah. Mon chéri aime comme ça, il n'aime pas petit coin. Il n'aime pas quand c'est trop lourd là. Mandingo, il est malinqué. Boulkologi. Hein, my palm sauce, regarde ça. J'ai partagé en deux quoi. L'autre là, je vais mettre ça au congélateur. Et ça, ça va au moins. Quand je suis au boulot, je suis tranquille. Yummy palm sauce. You can have this with rice. Fufu planté. Je vous ai montré, non? Voilà, ma satouille aussi is ready. Simple. Donc, c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine. Le secret de la bonne cuisine. Ramadan Mourbak. Vous m'avez accompagné pour faire ma nourriture pour la retour d'aujourd'hui. You cook with me today. You've had a call for my Ramadan day 10 or day 11. So if you're not subscribed, vous voyez, j'ai utilisé l'huile palme là. J'ai même pas mis l'huile l'autre là. Donc quand vous faites la sauce grain là, il y a trop d'huile. Faut pas jeter, vous gardez. Vous pouvez utiliser pour d'autres choses. C'est ça que j'ai fait comme ça. J'ai gardé, comment j'ai retiré, j'ai mis ça. J'ai même pas utilisé mon l'huile. C'est ça seulement que j'ai utilisé. Et c'est très bien là. Oh my God. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Le secret de la bonne cuisine. Ramadan Mourbak. Et bon Ramadan à tous mes musulmans abonnés. Et bonne fête à mes abonnés chrétiens aussi. Look at. Oh my God. Qui veut ça? Qui veut ça? Qui veut ça? Je sais, c'est là, madame. Je vous donne la salive. Sorry.